Bonjour, je suis Madame Aminata Ondo, présidente de l'association contre le risque médical, présidente du bloc syndicat Première Seconde, présidente du mouvement des indignés de la République. Sur le sommet One Forest Summit qui va se tenir dans notre pays, je viens dire au président Macron que la vie d'un Français vaut celle d'un Gabonais. Nous ne voulons plus de sang dans notre pays qui coule à cause de vos intérêts. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus des accords coloniaux qui nous privent de nos libertés. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de ça, Monsieur Macron. Nous voulons des accords gagnant-gagnant. Nous voulons sortir de la colonisation, de l'esclavagisme économique. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de ça. Le Gabon a meilleur à donner au monde que ça. Le Gabon doit donner une image honorable que ça. Le contraire de la précarité, de la misère que nous vivons tous les jours. Nous ne voulons plus parce que la France est à l'origine de nos malheurs. Parce que c'est la France qui encourage les dictatures. Parce que c'est la France qui soutient les dictatures en Afrique. Nous n'en voulons plus. Monsieur Macron, vous n'êtes pas la bienvenue dans notre pays. Je vous remercie. Bonjour, nous sommes les Amazones d'Afrique. Nous sommes là pour nous adresser au peuple gabonais et pris de justice. Emmanuel Macron organise du 1er au 2 mars 2023 à Libreville, au Gabon, un sommet de la forêt. Nous disons Emmanuel Macron, non, pas d'Emmanuel Macron en Afrique. Le peuple gabonais souffre depuis 56 ans sous la dictature de la même famille au pouvoir des Bongo. Nous disons non à Emmanuel Macron, non à la famille Bongo. Peuple gabonais, levez-vous pour boycotter en organisant le concert des casseroles pendant le séjour d'Emmanuel Macron. Il est temps que vous preniez les choses en main. Il est temps que le panafricanisme se pratique au Gabon, puisque le Gabon est une terre d'accueil de tous les Africains. Peuple gabonais, levez-vous, que la Amazone du Gabon se lève pour boycotter la venue d'Emmanuel Macron. Vive les Amazones. Vive les Amazones. Courage, seule la lutte libère. Nous demandons au peuple gabonais de se prendre en main et de prendre son destin en main parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Debout. 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 Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, tout simplement de vous encourager. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes à votre côté. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Aujourd'hui, nous avons laissé tous nos boulots, notre travail, notre occupation. On est venu aujourd'hui pour vous soutenir. Maintenant, c'est à vous d'être déterminé et décisif. Allez, empêchez cette venue de Macron au Gabon. Vive les Amazones, vive le peuple gabonais. Vive la liberté. L'Afrique vaincra. Merci à tous. Vive le concert des casseroles et vive la ville morte. Voici la preuve que nous vivons dans des conditions déplorables. Ici, vous avez ce qui est censé être un lieu d'aisance pour les agents du ministère des Eaux et Forêts. Rien ne marche, l'eau ne passe pas. Regardez dans quelles conditions les agents sont appelés à se soulager. Tout est hors service. À la limite, nous avons l'impression d'être dans un... Le pétrole sort d'ici. Mais on ne fait rien pour les gens d'ici. Mais est-ce que les Français vont nous entendre? Ils s'en foutent. Et voilà, nous sommes condamnés. À la mort, à la mort. Thank you.
gens sont en train de mourir et se faire empoisonner. Et Perenco, c'est tiens. Voici ce que fait Perenco au Gabon chez moi. Ils disent qu'ils ont fini le travaux. Regarde le grand trou là. Regarde le trou là. Ça, c'est les noix. Les gens tombent malades ici. Quelle honte pour le Gabon, Seigneur. La personne sortie en Afrique. Grâce à qui? Le soir là même. Seigneur, pitié, ça fait mal. Il faut qu'il y ait un. On va montrer les conditions dans lesquelles vous apprenez. Il travaille, il travaille. Une salle de classe. Seigneur.